Bonjour les amis et bienvenue à votre émission préférée Vidéo Buzz. Cette semaine, une nouvelle trépidante a secoué la toile. Le général Kami Makoso aurait été la cible d'un empoisonnement. En effet, c'est dans une vidéo publiée sur la toile que le blogueur dénommé JCG a confessé être le pion qui aurait été envoyé pour empoisonner Makoso. Un aveu dans lequel il menace de donner le nom du commanditaire de l'empoisonnement. Je dis pas blog là, la sorcellerie qui est dedans, où il y a la mort dedans, je vais laisser ça d'abord moi aujourd'hui. Mais avant de partir là, je dois laisser les casseroles. On attaque pour Makoso. Makoso, petit, tu connais pas Jesse, il y a des gens qui te guettent. Petit, ta vie était entre mes mains, je devais t'empoisonner. Je t'ai pas empoisonné juste parce que tu es bon. La personne me cherche aujourd'hui parce que j'ai bouffé son argent. Mais tu n'es même pas au courant de ça. Tu te pavanes, tu es en France, tu te balades, tu peux même pas venir me voir. Parce que moi je t'ai sauvé la vie. Tu étais dans ma main, ils sont allés te prendre à la gare. J'étais pris dans ma voiture. Je t'ai emmené au terrain. Je pouvais tout faire de toi. Même je pouvais t'attacher, t'envoyer où je veux. Je t'ai épargné la mort. On dit que c'est Jesse J qui est le mauvais. Le jour où on a annoncé que les éléphants arrivent en Côte d'Ivoire et que Makoso devait venir à Rouen, la personne qui m'a donné le flacon pour dire empoisonne-le, qui me paye pour l'insulter et que aujourd'hui je refuse de l'insulter, il peut envie me tuer aujourd'hui. Qui a dit Jesse, comme tu veux devenir grand, faut t'attaquer à lui, faut l'insulter, ça va te rendre grand. Moi je n'ai rien à perdre. J'ai pensé que j'appartenais à une famille et qu'on devait mutuellement se protéger. Tout ce qu'on s'est dit depuis des années, moi j'ai ma part, je les ai gardés. Cette nouvelle, le général l'a accueillie en affirmant et en insistant que ce ne serait pas la première fois ni la dernière tentative de lui faire du mal. Il a par la suite remercié le blogueur de ne pas avoir exécuté comme prévu la mission qui lui avait été confiée. Plusieurs personnes qui m'amènent des messages. Mon général, s'il te plaît, fais attention. Et on apprend que quelqu'un qui s'appelle Jesse est venu publiquement dire aux yeux du monde entier qu'il avait été payé pour t'empoisonner. Aujourd'hui, on apprend que quelqu'un vient se confesser publiquement en disant « J'ai été payé pour empoisonner Kami Makoso ». Et c'est une vérité. Pourquoi ? Cet homme appartient à un camp politique. 1. 2. Cet homme appartient à un camp des influenceurs. Numéro 3. Effectivement, je suis venu à Rouen. Et comme je ne connaissais personne, c'est lui que j'avais appelé. Parce qu'au moment donné, on échangeait puisqu'il est gabou. Le même groupe ethnique que moi. Et quand je suis arrivé, effectivement, il m'a pris dans sa voiture. Et lorsqu'on arrive au stade, qu'il voit la popularité du général, il a fait tic. Et quand on finit, je devais le retrouver dans un autre endroit pour manger. Et c'est lui qui est servi. Donc tu dois rentrer, mon général. Ton billet de train dit, faut n'échange pas ton billet. Rentre. Il insiste pour que je parte. On l'appelait pour lui dire Jesse. Mais vous êtes où? Lui, il insiste pour que je quitte Rouen. Je n'ai pas compris pourquoi. Et pour cela, j'aimerais lui dire merci. Quand on a échoué sur le plan de l'assassinat, on regarde sur ton point faible et on découvre que ce sont tes enfants qu'on doit toucher. Il a dit une deuxième des choses assez importantes. Qui me payait pour attaquer les autres influenceurs? C'est parce que j'ai des informations que des personnes sont déterminées à me tuer. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils voient sur le plan spirituel. Et la question que chaque personne doit se poser, c'est que représente Kami Makoso sur le plan spirituel pour que les gens soient aussi déterminés à le détruire, à le nuire, à le présenter comme étant un faux. Donc Jesse a créé quelque chose qui est en train de vraiment foutre le bordel sur internet. Mais tu t'arrêtes pas là. Tellement tu cherches la starmania. Mais tu sais même pas à quel point tu es en train de mettre ta vie en danger au fait. Et puis encore tu viens, encore tu sors un discours comme quoi il y a quelqu'un qui t'avait payé dans le but d'empoisonner Makoso. Est-ce que tu sais où tu es en train de mettre ta vie? Jesse, moi je te dis quelque chose, hein. Tu vas te mettre dans de gros draps. C'est-à-dire même si toi tu vas pas payer, quelqu'un tu dis il t'a payé pour faire du mal à quelqu'un et puis tu rends ça public comme ça, mieux tu dis son nom, au moins on sait que le jour quelque chose t'arrive là, on sait qui est derrière. Tu n'as pas fait, mais tu fermes ta bouche. Mais qui est mec qui a le courage de te payer pour empoisonner quelqu'un? Donc imagine, toi qui es en train de vendre la mèche là, imagine dans quel problème tu te mets. C'est pour ça que dans la vie quand on fait des choses, ne pensez pas à vous seul. Pensez à vos enfants, pensez à vos femmes, pensez à vos parents. Mais la personne tu es en train de livrer, d'après toi tu es en train de livrer la personne, c'est bien que tu nous dises son nom. Faut pas parler en parabole. Au moins nous on va s'apprêter. Parce qu'on a tous été au château avec toi. De par là, Bob est rentré, le gars est décédé. Et tu nous dis que toi tu as eu la capacité d'avoir un flacon de poison avec toi dans le but d'empoisonner Makoso. Mais en tant que vrai influenceur, c'est pas intelligent du tout ce que tu fais. Je sais même pas si c'est buzz. On ne fait pas dire comme ça, je suis dans des choses. Mais Dieu merci même que tu as dit ça. Vous êtes un clash. Donc, on peut essayer de conclure que la personne qui a fait ça là, soit il est dans le clash, soit il fait partie de ton parti politique. On ne prend pas des risques pour les réseaux sociaux. D'abord, ce que j'aimerais dire à Jesse J, c'est que la vidéo même qu'il vient de faire, moi je peux appeler ça un médecin après la mort, au moment où les gens t'ont envoyé pour empoisonner Kami Makoso. Mais je pense que pour ta bonne foi, quand les gens t'envoient pour aller faire quelque chose à quelqu'un, et que toi, en retour, tu ne veux plus faire cette chose, mais que tu veux plus exécuter
le contrat, je pense que en retour où tu devais monter ta bonne foi à Makoso, c'était de dire à Makoso, sans même que ce buzz n'arrive, tel jour, on m'avait envoyé pour t'empoisonner, frère. Mais je n'ai pas pu le faire parce que mon domaine, je suis pas un empoisonneur, mais je suis pas dans le domaine de l'empoisonnement. Et que c'est aujourd'hui, quelques années plus tard, tu viens sortir cette affaire. Je pense que tu viens de t'enterrer toi-même sans te rendre compte et que tu as le flacon du médicament. Tu as dit le nom de la personne qui t'a envoyé tout et tout pour aller empoisonner Makoso. Selon tes dits, quand je fais mes calculs tout et tout, peut-être même que ce n'est pas ta première fois. C'est-à-dire, tu n'avais pas l'intention d'empoisonner le gars, mais tu as pris l'argent et en plus, tu n'as pas exécuté le contrat. Et que quelques années plus tard, tu viens t'asseoir gaillardement sur Facebook parce que tu es dans un clash avec une blogueuse, tu mets ta vie en danger. Je pense bien que si les gens t'ont envoyé pour aller exécuter un contrat et que tu n'as pas pu exécuter ce contrat, tu as bouffé les agents, je pense que la bonne foi même serait que tu les restitues le agent, ou bien la bonne foi même serait que quand tu finis de bouffer le agent, tu te tais, tu as venu dénoncer les gens, oui, que c'est eux qui t'ont envoyé pour aller assassiner Makoso, sans même t'en rendre compte. Aujourd'hui, ton entourage, les gens même qui sont autour de toi, ils auront peur de toi, et que comme aujourd'hui, il y a un buzz, tu fais sortir cette vérité pour toi, c'est laver ton image. Tu viens de gâcher ton amitié avec plusieurs personnes aujourd'hui qui auront peur même de manger à table avec toi. Une nouvelle tout de même inquiétante pour nous et pour tous les proches du général. Oui, qui en veut à sa vie? Monsieur Desidji aurait-il le courage de dévoiler le nom du commanditaire de l'empoisonnement? On le saura très bientôt. D'ici là, portez-vous bien, c'était Vidéo Buzz. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres dossiers.